On mérite déjà le bonus, ça c'est sûr. Je pense qu'il est bien travaillé. On a montré qu'on mérite au moins un point de bonus. Après, l'effet de jeu fait que on n'a pas récupéré plus que ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le score final qui compte. Ça fait un match où ça nous rassure par rapport à nos deux derniers matchs, nos deux dernières sorties surtout, à Oyonnax et à Béziers. Donc voilà, ça nous rassure. On récupère un point de bonus. Que je me répète, donc je pense que c'est largement mérité, mais voilà, il faut qu'on reproduise ça week-end après week-end, et surtout les deux prochains matchs qu'on a à la maison, Biarritz la semaine prochaine, Mont-de-Marsan la semaine d'après. Oui, on retrouve ce que je disais, on voulait se rassurer que ce soit sur la conquête, on était beaucoup moins bien, enfin beaucoup moins bien, on était très mal même. Voilà, donc là ici, ça nous rassure, ça nous rassure, voilà, ça donne de la continuité. Il faut qu'on garde ces points parce que après, derrière une conquête qui était correcte aujourd'hui, il faut qu'on produise beaucoup plus et il faut surtout scorer. Je ne sais pas comment vous l'avez vu, moi je l'ai vu agressivité. Après, voilà, c'est un débat, les arbitres ont décidé qu'il n'y a pas d'agressivité. Donc voilà, je veux quand même, parce que c'est le deuxième match où ça nous arrive de sortir des joueurs sous blessure. À Béziers notamment, on a eu deux cas comme ça sur l'agressivité. Donc j'ai l'impression qu'on n'est pas arbitré comme toutes les équipes. Je ne sais pas si on a fait mal ou quelqu'un, mais aujourd'hui on n'était pas compensé avec ça, enfin compensé, arbitré correctement, on va dire. Au moins sous cette blessure-là, parce que c'est une double pénalité pour nous, c'est le joueur il sort du circuit pendant peut-être un mois parce qu'il doit se faire opérer du nez, il est KO. Et puis derrière ça, la double pénalité, c'est que Aix, effectivement, il profite du ballon récupéré, il marque.